Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la bêta Early Access de Diablo 4 en 3 minutes. La bêta du prochain opus très attendu de la série Diablo débute ce vendredi 17 mars à partir de 17h, heure de Paris, pour les personnes ayant déjà précommandé le jeu. Et l'open bêta sera quant à elle ouverte à tout le monde et aura lieu du 24 au 26 mars. On va donc pouvoir découvrir la première zone de l'open world et pouvoir faire le prologue et l'acte 1 dans les paysages enneigés et hostiles et surtout infestés de démons des pics brisés. Les pics brisés sont une région montagneuse, froide et enneigée, avec des habitants angoissés en permanence car ils sont la proie de monstres et démons qui attendent dans l'ombre protégés par des zélotes lors des nuits froides. Dans cette première zone du monde ouvert, vous allez pouvoir rencontrer le premier world boss, Ashava, qui apparaîtra à plusieurs reprises durant ce week-end. Ashava est une des nombreuses créatures que l'on pourra rencontrer sous forme de raid dans des énormes zones ouvertes non instancières. Vous pourrez donc découvrir ce premier boss de raid dans la bêta. Pour cette première bêta, 3 classes sur les 5 seront disponibles. Sorcier, barbare et voleur, le nécromancien et le druide, eux, seront disponibles lors de l'open bêta le 24 mars prochain. Les sorciers ou la sorcière contrôlent les éléments pour s'assurer la victoire, que ce soit sous forme d'éclairs, de pointes de glace empalant leurs adversaires ou de météores enflammés pleuvant des cieux. Sacrifice. Les barbares sont dotés d'une force incomparable et disposent d'un arsenal adapté à toutes les situations. Ils poussent d'intimidants cris de guerre qui étourdissent des hordes ennemies à proximité. Et surtout, ils ont le tourbilol. Et enfin, la nouvelle classe de voleurs. Les voleurs sont des combattants agiles qui se spécialisent aussi bien dans les attaques à distance qu'en combat rapproché. Avec leurs armes imprégnées et leurs puissants combos, les voleurs sont capables de venir à bout de tous les ennemis. Le niveau maximum de votre personnage sera fixé à 25. Vos persos et votre progression seront préservés entre l'accès anticipé et la bêta ouverte. Vous pourrez donc reprendre là où vous aviez arrêté l'aventure lors de cette bêta. Et bien sûr, la progression sur la bêta ne sera pas conservée dans le jeu à la sortie de Diablo 4. Tout le monde recommencera de zéro. Et enfin, pour tous les joueurs qui atteindront le niveau 20 durant cette bêta, obtiendront le Beta Wolf Pack. Un petit loup trop mignon qui dormira dans votre dos pendant que vous serez occupé à auxir moult monstres et démons à la chaîne. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la bêta de Diablo 4 expliquée en 3 minutes. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Et on se retrouve tous les soirs sur Twitch à partir de 21h. Le lien de la chaîne est dans la description. Bisous.